Salut les amis, c'est Spina pour la suite du Let's Play de Dino Crisis. On arrive à l'épisode 4. On s'est arrêté juste ici dans cette pièce. Oui, je ramasse si tu veux. Et on avait trouvé un cadavre de merde. Si vous vous rappelez bien, bon, ça fait nouveau un petit moment que j'ai pas joué. Donc je rappelle que je fais le jeu pour la première fois. Je sais que je vais me répéter à chaque fois, mais je le dirai jusqu'au bout. Et ouais, j'ai pas joué depuis 3 semaines, je crois. Parce que j'avais tourné les deux épisodes. Épisode quasiment à la suite, un ou deux jours d'intervalle. Oula, on va vite se barrer. Donc on va aller vers là. Donc là il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Bon, par contre, il n'y a pas de port, donc on va monter les escaliers. All P comment? Donc il faut que j'essaie de me remémorer un petit peu le jeu. J'ai un peu regardé en diagonale, on va dire, mon dernier épisode, histoire de me rappeler où on en était. Amesthésique, donc tout ça on s'en fout. Je vais essayer de faire le tri là dans mes trucs parce que bon. Le remontant. Anesthésie. Putain, j'en ai plein. On va foutre ça là. Anesthésie. Anesthésique. Remontant. Maxi truc, on en a aussi. Putain, mais je sais plus ce que c'est. C'est ça qui m'énerve là. Hémopatch. Arrêt de les mains sans récupération physique. Bon, je pense que ça suffira. On va juste ramasser encore le truc là-bas. On le rajoutera également avec. Je sais plus ce que c'est. Encore un anesthésique. Putain, et ça y va, hein. Donc j'ai toujours une crainte dans les jeux comme ça. C'est de rester bloqué pendant tout un épisode. Et ouais, ça risque d'arriver. Allez hop, on le refout là aussi. Bah tiens, on va aller voir notre collègue. Je crois qu'il est là. Je dis pas de bêtises. Poste de commande 1F. Est-ce qu'il a un truc à me dire? En tout cas, il est là. Rien à foutre, le mec. Quoi? Oh, pas de trace du prof par ici. Ok, merci pour l'intervention. Non, mais n'importe quoi. Je sais pas où aller. C'est la même merde. On va continuer vers là, hein, puisque je sais pas quoi faire. On va retourner dans la grande salle. J'avais trouvé la carte ID, donc pour faire le duplicat là, de carte machin bidule. Ça c'était quoi? Oula, appuyez dessus. Eh, mais j'ai jamais capté le machin là, putain quel con. Un email affiché à l'écran. Intitulé éducation nouvelle employée. Veux-tu le lire? Bah oui. Veuillez communiquer au nouvel employé ces informations sur le système DDK. La clé numéro de SEM. Mais ça, on connaît déjà. Bon, là, je viens de faire un truc sans faire exprès. C'est génial. Donc là, il y avait un cadavre. Ça, c'est quoi? Ce tableau. Accepte les code chiffres. Veux-tu entrer un numéro? Oui. Je vais juste récupérer le. La petite feuille que j'avais préparée la dernière fois. Non, je l'ai pas loin. Elle doit être juste à côté dans mon bureau. Et je l'ai. Alors, j'ai trois codes que j'avais notés de la dernière partie. Donc on a 0426. Ah bah c'est ça, impeccable, c'était le premier. Qu'est-ce qu'on récupère? Les mots... Entrée principale. Ouais, ça, je vois où c'est. Phénixir, si tu veux. Je sais pas à quoi ça sert. Allez, on se... Bah, c'est cool, le jeu. Putain, dire que ça, j'aurais pu le faire depuis le début du jeu. Je suis vraiment une quiche, quoi. Bon, allez, on sauvegarde vite fait. Ça m'évitera de recommencer au cas où. On va prendre la deuxième. Ouais. On modifie les données. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de voir la suite de ce putain de jeu de sa mère. Je suis rebloqué dans Skate 2, donc voilà, c'est la vie. Ouais, c'est par là que je voulais aller. Non, attends, je voulais juste refaire un truc. Carte ID, c'est... Il y avait une porte là-bas que je pouvais pas ouvrir, peut-être que j'ai chopé une clé en attendant. Oh bah nickel, la carte ID, c'était ça. Ah merde, moi je croyais que la carte ID c'était... C'était peut-être pas ce que je crois alors.
Bon, il y a déjà un CD là. Cette connerie DDK là. Ouais, on récupère. Donc il y a des ordi. Ça c'est quoi? Les images du grand écran sont aussi visibles sur la table. On s'en bat les steaks. Bah oui, des chevilles si tu veux. Appareil de saisie des données d'identité pour la délivrance des cartes ID. Ouais. Bah voilà, carte ID. Donc là, je peux en créer une logiquement. Ouais, utilise la cheville, je m'en fous. C'est le même que tout à l'heure ou... Non, c'en est encore un autre. Ah, ces conneries ne communiquent pas entre eux. Ça, c'est pourri. Bon, en tout cas, j'ai récupéré des munitions et ça, c'est plutôt cool. Donc, est-ce qu'on a le moins Nectas? On s'en fout. Là, il y a un ordi. On peut suivre sur ce terminal les évolutions des soldats dans la base. Ok. Fiche de réunion d'opération, veux-tu le lire? Bien évidemment. Sujet. Mise au point sur la gestion des identités. En début de semaine, un individu s'est servi du terminal de regravage des cartes ID pour accéder à une zone non autorisée. Cette personne avait relevé les empreintes digitales sur le corps d'une victime de l'accident. Donc sur un corps. Ces données lui ont permis d'emprunter l'identité du défunt et il est entré au labo par l'ascenseur. Le relevé d'empreintes permet la saisie de données exploitables, y compris sur un cadavre. Les tests d'aujourd'hui vont attirer de nouveaux... de nombreux visiteurs. J'ai juste remis mon casque en place, je en profite pour mettre le deuxième, vous m'excuserez. Surveillez bien l'équipement lorsque vous délivrez les cartes ID. Ok. Bon, s'il parle tout le temps de cadavre, c'est que... c'est sur un cadavre que je vais devoir choper une empreinte. Donc, en tête, j'ai deux cadavres. Donc, un qui est juste à droite, mais bon, je doute que ce soit les empreintes de celui-là qu'il faut prendre. Là où j'ai tapé le code il y a quelques minutes, rappelez-vous. Bon, on va continuer. Ah, donc c'est là que je vais aller. Donc il me semble que c'est la clé de là, ce que je viens de ramasser. Ça s'appelait l'entrée. Bah voilà, impeccable. On a... Oh putain, la taille de la porte. Bon, je suis un peu perdu là quand même dans le jeu. Arrête, tu peux pas passer par là parce qu'il y a deux briques. Ok, toi t'es une vraie, hein. Espèce de connasse, va. Ici, y a rien ou quoi? Le ciel est vraiment immonde, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ramasser chevrotine, évidemment. Putain, enfin des cartouches. Ramasser anesthésique, ouais, si tu veux. Obtenir... Oh putain, encore un truc des DK, j'en ai tellement. Dossier des mutations, veux-tu le lire? Évidemment. Mutation des chercheurs en salle expérimentale, là là. 57036. On va juste noter ça. Et j'ai pas de stylo. Il y en a un juste à ma droite. On va tendre le bras gelé. Bon, 57036. Non, Marc Doyle. À mon avis, c'est lui que je dois. Attends. Objet. Hop. Ouais, non, à coup sûr, c'est ça. Données d'empreinte ont été relevées. Impec. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une porte, ça? C'est verrouillé, le panneau indique vers l'héliport. À coup sûr, faut aller vers là pour finir le jeu. Sinon. Là, il y avait encore une porte, je crois. La porte principale du complexe est verrouillée. Bah, on peut rien faire d'autre. Comme ça, c'est fait. C'est clair et net. Et je... Donc je vais retourner là où il y a le truc qui dé. Je vais juste vérifier vite fait. Il y a une porte sous l'escalier pour voir si j'ai ramassé assez de trucs pour l'ouvrir. Donc ces portes là. Voilà. Ah bah ça suffit. J'en ai enfin. Oula, ça va être long, hein. Donc le B, donc N. Le D, non. Donc ensuite le E. Le F, non. Le G, non. A, B,
W, oui. C, oui. C, D, F, G, H, non. A, B, D, F, G, H, O. M. Newcom, à coup sûr, c'est juste ça. A, B, D. E. F, G, H, R. Newcomer. Bon, je suis une quiche en anglais, hein. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Débrayage et des accomplis. Bah, c'est cool. On a réussi à trouver où aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Putain, il y a encore un cadavre là. Il y en a partout, c'est hallucinant. En blanc, ça pourrait être un chercheur. C'est peut-être de lui que j'ai besoin hein, pour. Putain, il y a trop de trucs là. Ouais, une espèce de salle des commandes. Là, il y a des munitions, on va récupérer ça. Et peut-être. Oh, bah encore. Ah, oh, bah, il y en a... c'est juste là. Chevrotine, un pec. Oh, putain, il y a pas mal de munitions là, ça c'est bon. Voilà la place de l'anest truc. On peut pas combiner les deux là. 9 mm, balle grenade, remontant, je sais pas ce que c'est. Je vais voir s'il y a moyen de combiner les trucs là parce que. Objet. Voir. Oh bah non, mix pète ça. Non. Bah si, 5 sur 10. Comment je les mets ensemble ces trucs? Je vais aussi changer d'arme parce que là faut pas déconner, j'ai le grenade machin. 34 balles, bon ça va. Bon allez, on continue comme ça. Par contre, je crois que j'ai pas de place dans l'inventaire. Je sais, je suis chiant, mais... Non, j'ai pas de place, faudrait que je vire un truc. Médicaments mélangés, sélectionne l'icône mix dans la fenêtre. Bon, moi je sais pas à quoi ça sert, donc je le laisse là. Putain, il y a encore une cartouche là, fait chier. Bon, bref, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Boîtier assurant un suivi des utilisations d'ascenseur. Ouais, ok. Ok, merci. Ça me dirait que ça serve à rien. C'est peut-être l'ADN de ce gars-là que je dois prendre, parce que là, je commence à avoir des doutes. Je sais plus d'où je viens. Je crois que je... Non, je suis venu de la porte là-bas, donc on va regarder ce qu'il y a ici. La porte a été déverrouillée, donc... Mais où est-ce qu'on est là, putain? L'amphithéâtre, ça me dit quelque chose. Putain, on est là! D'accord! Bon, on n'est pas loin du truc à l'idée, là, machin, bidule, truc. Bon, on va encore regarder ce qu'on a là. Cet ascenseur... Merde, j'ai pas lu. Cet ascenseur descend à la zone laboratoire, la carte ID chercheur est indispensable pour l'utiliser. HS est apparemment irréparable. Bon, on va prendre... Le truc de ce gars-là. On va refaire ce qu'on a fait avant avec le... Non merde, c'est pas ce que je voulais faire. Releveur d'empreintes. Oui, on écrase les données d'empreintes ont été relevées. À mon avis, c'est celui-là. Il est juste devant les ascenseurs, donc je pense que c'est lui. Voilà, je sais juste plus trop où c'est, mais il me semble que c'est dans le coin. Pour utiliser le PC avec les idées trucs là. Bon, je l'ai lu, mais. Toujours vérifier s'il n'y a pas un code qui traîne, non. Que j'aurais oublié de noter. Donc là, logiquement, j'ai pris son relevé d'identité, donc je pense que j'ai fait un truc sur son doigt.
Je suis con parce que c'était dans la pièce là en fait. J'ai mes écouteurs qui me font un mal de chien. Alors. Blablabla, aucun gravage n'est disponible sans. Putain, mais il peut pas la faire la prendre lui-même. Voilà. Regravage des données engagées. Saisir numéro identifiant. Je prends quoi le 57 57 0 36. Identifiant vérifié, d'accord, saisi. Données d'empreinte. Bah ouais. Données d'empreinte. Incompatible. Je vais essayer avec un autre numéro du coup. Carte ID utilisée. Je remets nouveau mon casque, hein. Je suis désolé, mais je sais pas ce qu'il a, il me fait vraiment mal là à l'oreille. Parce que j'ai des écouteurs encore hein, juste en dessous. J'ai encore un code qui est 58, que j'ai noté, qu'on a dû voir dans l'épisode précédent, je me souviens plus où. 104. Vas-y, saisis, hein, j'en sais rien. Ah! ID Paul Baker, chercheur, veux-tu modifier les données de la carte? Oui. Pas ce que je fais, hein, mais bon. Les données de la carte ont été modifiées. Tac, donc là, logiquement, je vais pouvoir utiliser l'ascenseur. Puisque j'ai pris. Donc c'est le doigt avec le code 58. Putain, c'est. On s'embrouille là. Non, on va repartir de l'autre côté plutôt, c'était plus court. C'est un putain de fucking labyrinthe quand même, hein. On va essayer de se mémoriser tous les chemins d'accès là. Donc j'ai reçu quelques messages pas très sympas, hein, des gens qui me disaient que je faisais plus assez de vidéos, puisque bon, j'ai réduit à une vidéo par semaine, ce qui est déjà énorme, hein. Je vous mets au défi de rester régulier comme ça. Bon, vous êtes pas cool, hein, franchement. Bon, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a quand même quelques-uns. Pas charriés, quoi. Tu as utilisé la carte. Impeccable. Donc là, je rentre dans un ascenseur. Bon, on peut déjà pas choisir l'étage, donc ça, c'est cool. Ça fera moins de. Vite, 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 vite. Je sais toujours pas sur quel bouton appuyer, tu sais. Tu vas crever, saloperie. Allez, saigne. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de recharger dans le jeu. Bah tiens, il y a déjà un document là. Dossier intitulé Manuel de sécurité vol 1, veux-tu la lire? Bien sûr. Une mise à jour des câbles, le système de verrouillage électronique de ce complexe a été effectuée. La nouvelle structure des codes plus complexe garantit une plus grande sécurité. Voir si après des informations essentielles sur les mots de passe. Décotage clé chiffré, première partie. Si des chiffres remplacent des lettres dans la suite clé, ils pourraient correspondre au numéro d'un caractère. Voici un exemple de correspondance entre lettres et code. D'accord, oula. Ça devient casse-couille, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Donc là, il y a une espèce de carte. Le plan de l'étage 1 est affiché sur le plateau. Mémoriser le plan, évidemment. Données mémorisées est visible depuis le plan. Le plan est affiché, d'accord. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai pu récupérer une carte, ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? Alors. Oh là là. 3 c'est. Oh non, là ça va être chiant. Donc attends, je vais me noter ça sur une feuille. 3 c'est C 4 D E F G
H. Donc voilà. L, on prend pas. F, on prend. Non, c'est L. Je sais même plus maintenant s'il faut prendre ce que... Non, donc L, on prend. L. A. Vu que là, c'est différent, je sais pas si c'est pris. B. Le D, il est dans, on le prend pas. Le O, on le prend. Le E, on le prend pas. Le G, on le prend pas. Le H, on le prend pas. Le R, on le prend. Le F, on le prend pas. Le A, on le prend. Ça va être laboratoire, le mot. Le A, on prend. Le C, on prend pas. Le T, on prend. Le D, on prend pas. Le O, on prend. Le E, on prend pas. Le R, on prend. Et le Y, on prend. Déverrouillage, yes. Donc en fait là j'ai ramassé des cartes. C'est vrai que si t'oublies une carte dans tous les trucs qu'on a fait, on n'aurait même pas pu ouvrir cette porte. Allez, on déverrouille. Allez, crève, crève, crève. T'es mort ou t'es pas mort? T'es pas mort. Si t'es mort. Putain, j'ai utilisé une balle pour rien maintenant. C'est malin ça. Hein. Putain, y a tout qui se ressemble dans le jeu. Je suis en train de péter les plombs là. Là, c'est une grande porte. J'ai pas très envie d'y aller. Bon, on va y aller, de toute façon on est protégé par le... On peut y aller, c'est pas fermé, la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a à faire à la bibliothèque? Crève, crève. Si elle recharge l'arme, putain. Voilà, maintenant il est mort. Anesthésie, bon bah si tu veux. Il n'y en avait qu'un ici. Attends, là il y a un plan. Les données stockées sont de cette catégorie. Ce complexe est la mise au point d'armement. Inventaire complet, pas de place pour Maxi Tonic. Ça on s'en fout. Un verrou électronique protège tout stockage. Ouverture soumise à l'insertion d'une puce de clé à données correcte. Ouais bah. Ah. Terminal de gestion des informations sous puce clé donnant accès aux données. D'ici on peut. Une clé? J'ai un truc qui ressemble à ça dans l'inventaire. Non, bon bah tant pis, je crois qu'on peut. Un impact crucial inflige des dégâts énormes. Lunette Glock. Ah, c'est carrément une nouvelle arme. Amélioration de la pression. Ah, c'est à combiner avec un autre truc. Ouais. On s'en fout pour le moment. On va voir où ça mène ça. Je voudrais essayer de me repérer un minimum là parce que. Ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on joue. Allez, debout! Allez, allez, dégage! Putain, je suis complètement pris à... Cours, 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 cours! Ouh. Saloperie, là! Crève la saloperie de bestiole de merde. Voilà. Putain, je déteste ces bestioles.
Génial, j'ai pas assez de cheville maintenant. Là-dedans, il y a quoi? Maxi tonique, en fait. Putain, je pisse le sang. Qu'est-ce que je dois prendre pour arrêt d'hémorragie? Voilà. Ça sent la salle de sauvegarde. Salle... Ah non, salle de réunion recherche. Commence à y avoir pas mal de dinosaures, là. Ça se complique. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien. Ah bah cool, j'ai récupéré une cheville déjà. Bon, allez, on va récupérer tout ce qui traîne sur le bureau. On va déjà lire ça, tiens. Ouais, vas-y, je vais lire ton torche-cul. Tri-énergie, un système capable de tirer des sommes d'énergie infinie de l'air. Le perfectionnement de ce système mettra fin à l'un des problèmes de société les plus graves. Le projet a d'abord été lancé à des fins militaires, mais nous avons entrevu son intérêt pour notre avenir et nous y avons offert notre participation. Mais il n'y a pas qu'à se réjouir. L'armée nous a accordé des privilèges indus pour de simples développements de systèmes énergétiques fondamentaux. Il faut que je découvre le vrai but de ce projet avant que des dégâts irréparables ne s'ensuivent. Que diable nous prépare ce gamin? Aucune piste depuis un mois, c'est un vrai génie, on dirait qu'il a remarqué nos travaux secrets d'investigation. Je me suis laissé dire qu'il avait installé un labo secret quelque part à cet étage. Il n'y a pas d'autre moyen pour connaître ses intentions que de trouver ce labo. Mike a finalement trouvé un indice sur l'emplacement du laboratoire secret. Il a dit avoir caché cet indice dans notre cachette de la bibliothèque. Kirk et le colonel Clay, chef du projet, se sont souvent réunis dans la salle informatique ces derniers temps. Que mijote-t-il? Ouh, il se prépare des trucs mauvais là. Putain, encore des conneries de code là. Ce terminal informatique gère l'environnement du laboratoire à distance. Sur l'écran, on peut lire code d'accès 7248. On note. Alors, 72 48. C'est noté. Bon, on va continuer notre chemin. Il y a peut-être quelque chose sur l'étagère. Rien d'utile, ok. Je sais pas, je vois qu'il y a des notes là un peu partout. Mélange un autre gaz, un gaz peut tout ce qui est inférieur à 30 peut être neutralisé. Quand vous mélangez les gaz. Puis, attends, là il y a une espèce d'interrupteur, je crois là-bas. Non, on peut rien faire, bon on va se barrer de là. Il y a vraiment du sang partout dans le jeu. La porte est verrouillée, mais. Putain, mais. Mais il me semble pas y avoir de place pour une clé. Ouais bah ok. Bon, on revient en arrière. Donc j'ai récupéré une espèce de disque. Bah tiens, ça je peux le déverrouiller du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Putain, il y a que de la merde. Que de la merde. L'anesthésie, hop, tu dégages. Qu'est-ce qu'on a encore? Maxitonique, on en a déjà deux. Félixir, ça je garde. Emo patch, on va le garder. Oh bah tant pis, hein. J'ai juste fait de la place pour deux trucs. Vers là-bas, on avait quoi? Ouais, encore un espèce de truc interrupteur. Donc, on va revenir en arrière. Je sais plus s'il y avait une porte là quand je me suis fait courser par les deux saloperies. Il y a une espèce de tableau qui sert à rien. On va aller regarder au fond là-bas à nouveau. Ouais, bah non, il n'y avait rien. Il y avait juste 10 heures de merde. Bon, moi j'ai fait le ménage, je serai tranquille. Par contre, j'utilise des balles un peu n'importe comment, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, je peux pas faire autrement. Là, on va l'ouvrir. Non. Ah, on a accès à la porte. Salle informatique. Je suis anti, je suis complètement perdu là. Qu'il n'y a pas de bruit pour le moment. Tournevis de forme spéciale destinée à la maintenance informatique. À l'intérieur des outils de maintenance informatique. Ouais, ok. Attention, circuit d'alimentation du système des voyages forcés nous toucher qu'en cas. D'influence de. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, encore un truc à lire. Allez, terminal 1, il est éteint, non?
Veux-tu le lire? Oui. Une mise à jour de DDK, le système de verrouillage électronique de ce complexe a été effectuée. La nouvelle structure des codes plus complexe garantit une plus grande sécurité. Voici. Voir s'ils apprennent des informations essentielles pour les mots de passe. Décodage clé chiffré, deuxième partie. Si des chiffres remplacent des lettres, la suite clé, ils pourraient indiquer les rangées à omettre. Quoi? Par exemple, si la suite clé comporte 2, il faudra alors éliminer les lettres de la deuxième rangée du code. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais... Soit. Il y avait un truc qui ressemblait à une porte là-bas, je vais juste vérifier que c'est que c'en était pas une, hein, tout simplement. Parce que ça, c'est une porte. Non. Bon, on va continuer notre chemin. Je sais pas vers quoi on se dirige, ni ce qu'on doit faire. On va pas tarder à chercher une salle de sauvegarde aussi, hein. On arrive vers la fin de la vidéo. Ah bah cool. Bon, je vais continuer quand même encore un peu, sinon ça fera qu'une demi-heure. Non, c'est le deuxième. Voilà. 2 heures de jeu, bien que ça fait quand même beaucoup plus. Cool. Ah bah il me manque une cheville. Bon, y a pas de bruit pour le moment. Ouais, ok. Donc, en fait, je viens de faire un tour complet là. On va retourner vers là parce que j'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire. Ouais, y a pas de bruit donc ça devra aller. C'est ça là qui m'inquiète. Je sais pas ce que je. Un truc. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Tournevis, hein, moi je sais pas, je tente. Non plus. Alors, où est-ce que je pourrais utiliser ce tournevis là? J'ai pas le souvenir de. Parce que là, du coup, je vais entièrement revenir en arrière sur tout ce que je viens de faire. Alors, on avait quoi ici? On n'avait rien. On va revenir là-dedans, salle de réunion. Non, mais il n'y avait rien de toute façon, c'est pas possible. Je vais quand même revérifier ce machin-là. Non plus. Et ici. Non plus. Donc je vais juste relire ça, gère l'environnement. Lire code. Ah oui, code d'accès, d'accord. Mais j'ai rien pour taper un code ici. Par peut-être là, non, ça sert à rien non plus. On va rapidement refaire le tour, hein. On sait jamais, pas que je sois passé à côté d'un truc. On continue. Bon, de toute façon, je vais bien réussir à retrouver vraiment ma route. C'est vrai que je suis un peu perdu. Hein. C'est pas des conneries. Ça, l'informatique. Peut-être que c'est là alors qu'il faudrait utiliser le tournevis. Non. Ouais, il n'y a rien qui semble indiquer qu'on ait quelque chose à faire ici. Bon, allez, on se casse. Non, cette fois-ci, je sauvegarde pas. On va revenir au début et de toute façon on va pas tarder à s'arrêter. Je suis aussi content, on aura quand même un... pas énormément avancé, mais quand même pas mal. On aura visité toute une nouvelle zone. Et puis je sais pas où on en est dans le jeu, on est peut-être à la moitié là, hein, finalement. Ici il me semble qu'il y avait un deuxième... Ouais, là, c'est quoi, ça?
Ceci ne fonctionne pas et c'est apparemment irréparable. Mais j'ai un tournevis, ma grande. Ouais, c'était présomptueux, hein. Merde, aucun résultat. Bah, j'ai rien d'autre à faire que de remonter, hein. Donc c'était quoi? Donc si j'avais trouvé un autre cadavre, mais je sais plus où. Je m'en souviens. Ah oui, je me rappelle. On va peut-être essayer d'aller faire une autre carte. Je vais essayer de reprendre. Ouais, je vois. Alors, juste tenter le tournevis là-dessus. Je pense pas que ça serve à quelque chose, mais on sait jamais. Ça sert à rien. Allez, on se barre. Je vais revenir là, je vais retourner à l'extérieur, reprendre. Rescanner le cadavre et revenir par ici. Peut-être qu'on ira à un autre étage avec l'ascenseur, c'est pas impossible. Ou alors je vais peut-être sauvegarder, hein. Ça fait déjà pas mal de temps. Allez, on va aller récupérer ça et je sauvegarderai juste après. Je pense qu'on aura fait le tour dans cette vidéo. Voilà. Objet. Non, merde. Releveur d'empreinte utilisé, voilà. Il y a des données. Oui, vas-y, écraser, je m'en pas les steaks. Bah, peut-être que. J'espère qu'elle va quand même garder l'autre carte. On va faire des cartes de tous les cadavres qui traînent dans le jeu. J'ai encore un code, donc le 57036, qui ne marchait pas tout à l'heure pour l'autre, donc c'est peut-être pour celui-là. Ouais, on va passer par là. Bon, là, je suis quand même assez content, j'arrive à me repérer à peu près. Je vais juste voir si la carte fonctionne, c'est tout. Ensuite, c'est par là. Hall de l'amphithéâtre, il me semble que c'est par ici. Ça qui est un peu décevant dans le jeu, c'est que tout se ressemble. Le bâtiment est pas terrible, c'est très froid, terne. Je trouve même les graphismes sont peu détaillés. Donc le PC, il est là. Allez, c'est parti. Objet, flagio, carte ID, utile. Merde! Tu n'as plus besoin... Ah mais merde, c'était juste pour ça alors! Ok, bon bah tant pis, on va les sauvegarder. Moi j'ai relevé le sang de l'autre con pour rien. Du coup moi je sais pas où aller. Hein. Je sais pas. Peut-être aller reparler à mon pote là dans la salle de trucs. Puis bon, dans tous les cas, on va s'arrêter là de toute façon. J'ai un peu peur d'être bloqué là pour le prochain épisode, je sais pas où aller. J'ai un tournevis, où est-ce qu'on aurait pu utiliser un tournevis? Je réfléchis mais je ne trouve pas. Donc là c'est par ici. Et je suis crevé. M'épuiser cet épisode là. J'ai les oreilles arrachées. Voilà, on va sauvegarder. En se dirigeant vers là, on sauvegarde. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour l'épisode 5. Je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao tout le monde.